MDN Production. Pour l'épisode 11 de mes aventures, donc nous allons commencer par attaquer la salle 1. Aussi, une petite précision que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans chaque pièce, dans les règles du forum, il y avait un coffre caché. Donc là, il me dit qu'il faut que je lance les objets donc sur les plaque de pression pour gagner un accès à l'étape suivante de la room, hein, donc, pour arriver à la porte finale. Donc voilà, j'espère que je vais avoir assez de slim ball. Là ça va, la porte est assez facile à avoir. Voilà, après là c'est autre chose. Parce que, comme vous le voyez, il y a de la lave. On va essayer de dropper. Non, c'est pas cette place là. Ah ben comme par hasard. Vous voyez, je n'y arrive pas. Pas la bonne porte, au moins j'espère que j'y arriverai avec le nombre de slime ball que j'ai, parce que ça a l'air bien compliqué. Ah, comme par hasard, j'ai pas trouvé la bonne plaque de pression, parce que j'arriverai avec le nombre de slime que j'ai, hein. Voilà, première porte passée. La deuxième. Comme par hasard, c'est pas celle-là. Ah, voilà, j'ai gagné un peu de slime ball, au moins. Parce qu'après, je sais pas combien. C'est la dernière porte, je pense. Bon, je pensais faire une room par épisode, mais je crois que ça devrait faire plus rapidement. C'est pas celle-là, comme par hasard. Ah bah voilà, j'y arrive un peu plus facile. Là. Normalement, on devrait pouvoir casser les blocs de sable, mais... Bon, c'est les règles, hein, de toute façon. Donc, là, j'ai une porte. Mettre une torche. Et ben voilà, j'ai bien fait de casser. Et les pommes rouges. Ah, du diamant. Voilà, le diamant, de toute façon, on les mettra dans le coffre. Voilà, voilà. Je suis calme, vous inquiétez pas. Vous verrez l'interlude d'un peu avant. Vous êtes un petit peu agacé par certains commentaires dans les pages. Mais comme j'ai dit, ça n'empêchera pas de continuer ma série. Ah, c'est cette porte là. Alors j'appuie sur le levier pour ouvrir la salle de challenge de Canté Diamant. Je sais même pas pourquoi je ne mets pas dessus. Donc les inventaires, c'est les pommes. Donc on va les stocker, on va garder qu'une pomme rouge au cas où. De toute façon, comme je reviens à chaque fois. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le levier. Désolé. Voilà. Donc on attaque la salle 2. Ah oui, d'abord je voulais mettre les pommes dans le coffre. Je vais garder une pomme rouge
Les slime balls, bon, on va les garder pour l'instant. Les diamants aussi. Je sais pas si ça peut servir, mais s'il faut, de toute façon, on peut toujours revenir. Ça, cas où que je perde trop de vie. Voilà. On échappe. Ah oui, mince. Attendez. Ah, ouais, j'ai ça. On va le désactiver. Voilà, désolé. Donc, ah oui, j'ai pas vérifié si j'étais encore en... dans les options. Ah, si, je suis en difficulté normale. Voilà, voilà. Nous allons rentrer dans la salle 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, si je me souviens. Alors, le levier pour ouvrir la porte. Ah, il faut que j'aille de l'autre côté, mais... par l'eau. Donc j'espère que je vais arriver à faire 107 minutes. Hein. Sans mourir, ça serait bien aussi. Je vais poser mes affaires. Les slime balls, sans les torches, j'en ai pas besoin. On va garder les cubes de machin et la pomme. Je pense que je peux la laisser là dans le coffre. On va essayer de tenter la salle 2. Oh, ça sent un peu le labyrinthe. Non, faut que je trouve un coin pour avoir de l'air. Au cas où. Comme là. Hop. Voilà, nous descendons. Ah. Un levier. Oh. Ah bah dis donc. Ah franchement, j'ai un coup de chance. Je crois que c'est ça que ça veut dire. De toute façon, tu as trouvé le switch. Retourne dans la... caisse. C'est l'endroit pour prendre la respiration. Non, faut que je retrouve le passage. Non, c'est pas par là. Ah, bon, je vais reprendre de l'air. C'est de retrouver bien mon truc. Voilà. Bon, j'espère que ce sera pas beaucoup plus court quand même, parce que ça fait un peu juste quand même, quoi. Bon, je pense que les challenges prochains devraient être un peu plus durs. Hein. Voilà, la porte est ouverte. Oh, des pommes encore. Ah, j'ai pas regardé si dans le... en dessous, nous avons un coffre caché. Normalement, il y en a une dans chaque pièce, donc... c'est pas. On va voir s'il y a un petit passage par là, si on peut descendre, non. Non, pas d'endroit caché. Le sable. Bon. Ah. Ah bah voilà le coffre caché. Papier, ouais. Peut-être l'utilité plus tard. Donc, je pense que j'ai trouvé le coffre caché, donc c'est bon, ça c'est fait cette salle là donc, je vais aller arpenter l'autre salle parce que je pense que j'ai tout trouvé. J'ai trouvé le coffre caché, donc non. Je vais voir la salle 3. On va étudier un peu ça. Il reste quelques petites minutes. Déjà, on va poser pomme, le diamant, les diamants. Voilà, voilà. La pomme en or, on peut pas la mettre au-dessus. Les papiers, on peut les mettre par deux. Voilà. Donc, la salle 3, elle est où? La salle 3, la salle 3. Non, ça doit être de l'autre côté. Je pense. Normalement, elle est ouverte. J'ai bien appuyé sur le levier. Ah non, j'ai pas appuyé. Donc, je vais retourner dans la salle 2. Voilà, voilà. Ah, j'ai entendu le cliquetis de la porte. Logiquement, c'est bon. Maintenant, retrouvons la porte 3. Elle est là. Donc, là, il ne faut pas monter. J'espère que ça va pas être super, super compliqué.
Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Piste E, piste F. Ouh là là, il y a une histoire de main carte, je crois, là-dedans. Donc je pense que ça sera faire pour l'épisode 2. Ah, voilà. Alors, use les leviers ou change direction of the track. Pour le carte to open the door. De carte 2. Carte fournaise. Du charbon. Voilà, voilà. Ça c'est bon. Il n'y a pas d'autres objets. Non, pas ça. Non. On va déjà regarder un peu la salle, savoir. Carte will go here, doit arriver ici. On va déjà finir les tableaux, parce que des fois il y a des passages. Secret commun dans ma précédente aventure. Donc non, bah non, là je vais peut-être un peu moyen. Mais... Track C, track D, est-ce qu'il y a vraiment une solution? Ah, je pense qu'en regardant par-dessus, je pourrais trouver à quel endroit faut passer. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a par en bas? Ah bah c'est la porte où je suis arrivé. Donc faudra que j'étudie ça. Hein? Donc bah je pense que je verrai ça pour l'épisode prochain. Parce que là il me reste plus beaucoup de temps pour ma vidéo. Donc je pense que bah ça va être bon. Hein, de toute façon là j'ai regardé. Il n'y a rien de caché. En fait c'est bizarre, il n'y a pas de coffre on va cacher là. Un bloc de sable rapidement pendant que j'ai encore un peu de temps. Voilà, non, c'est là où doit arriver le minecart. Ah non, ça c'est là où je dois le lancer. Le minecart doit arriver là pour ici. La sortie. Sûrement pour. Ah pour ouvrir la porte, je suis bête. De toute façon donc. Voilà. Bon, j'étudierai ça tranquillement, de toute façon au prochain épisode. Là j'ai beau chercher, je ne trouve pas la petite planque du coffre caché. Encore une minute à faire, donc on va continuer de voir si on voit pas un carré de sable quelque part. Ah, ou peut-être derrière. Bon, je verrai au prochain épisode, hein, de toute façon, donc voilà. Encore désolé si je suis calme, mais j'ai eu quelques petits énervements, donc... je continue doucement, voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et encore merci à tous mes nouveaux abonnés. Ciao !